Mes chers amis, je suis très heureux de passer un moment avec vous en ces temps difficiles que nous traversons. En plus du virus qui continue sa course, voilà maintenant que des émeutes éclatent un peu partout dans le monde pour troubler la paix des nations. Après sa résurrection, notre Seigneur Jésus-Christ apparaît de nombreuses fois à ses apôtres, aux saintes femmes, à la foule. Et notre Seigneur se plaît à répéter à ses apôtres, en guise de salut et de souhait, « Pax vobis », que la paix soit avec vous. Notre Seigneur, le prince de la paix, nous a conseillé de garder cette paix, de vivre en paix avec les autres, de ne faire aucune différence entre les uns et les autres, entre toutes les races, car c'est un message d'amour qui nous a apporté sur cette terre. Nous devons tous être, et les uns et les autres, des instruments de paix. Premièrement, dans nos familles, avec les personnes qui nous entourent, au travail, avec nos voisins, là est le devoir du chrétien. Aimez-vous les uns les autres, nous dit Jésus, sans distinction de race, de classe, de croyance, de sexe. En un mot, aimons-nous les uns les autres sans aucune distinction. Saint Augustin, nous parlant de la paix chrétienne, nous dit qu'elle est la sérénité de l'âme, la tranquillité de l'esprit, la simplicité du cœur et la compagne inséparable de la charité. Si nous sommes des instruments de paix, nous serons en paix avec nous-mêmes. La paix, c'est aussi la tranquillité de l'esprit. Le démon, ce prince des ténèbres et du mensonge, se plaît à nous jeter dans le trouble. C'est ce qu'il fait actuellement à travers ses émeutes. Mes amis, la paix enfin ne saurait exister sans la charité. Qui n'aime pas ne peut pas avoir la paix. Aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces. Aimer son prochain sans exclusion de qui que ce soit sont des éléments nécessaires à la paix chrétienne. La haine, l'esprit de vengeance et de jalousie, la méchanceté, la calomnie et la médisance sont incompatibles avec la paix chrétienne. Cela est évident. La paix, que d'avantages elle nous procure. Elle est ici-bas le principe du bonheur. Personne ne saurait le posséder sans elle. La paix, le soutien dans l'épreuve, la force dans le devoir, le soulagement dans la souffrance, l'inspiratrice dans le sacrifice. Ainsi, dans la Sainte Écriture, il est souvent question de la paix comme étant le premier bien et le fondement de tous les autres. David, dans les psaumes, nous invite à nous procurer cette paix par tous nos efforts. Cherchez et recherchez la paix, disait-il. Cette paix, les anges la chantent à Bethléem, ils l'annoncent au monde comme un des effets de la nativité du Sauveur. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Jésus, quand il envoie ses disciples, leur dit « Quand vous entrez dans une maison, dites d'abord « Paix à cette maison ». De plus, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, Jésus annonce cette paix à plusieurs reprises à ses apôtres, le jour même de sa résurrection, comme le fruit de sa rédemption. Cette paix, les apôtres la souhaitent aux premiers chrétiens. Saint Paul en fait le plus bel éloge. Il dit qu'elle vient de Dieu, Pax Dei. Elle surpasse tout ce que l'on peut éprouver de plus doux en ce monde, qu'elle est la gardienne des intelligences et des cœurs. Et dans Isaïe, nous lisons « La paix est le fruit de la piété, les impies ne la possèdent jamais. » Mes amis, écoutez et comprenez ces paroles de saint Augustin et vous verrez
en quelle estime les saints tiennent la paix chrétienne. C'est un bien si précieux, dit saint Augustin, que parmi les choses périssables d'ici-bas, il n'y a rien de plus agréable à entendre, rien de plus enviable à désirer, rien enfin de meilleur à trouver. Ah, mes amis, la soumission à la loi de Dieu, voilà donc ce qui nous apporte la paix. Et la paix avec Dieu, la paix avec le prochain, et la paix avec soi-même. L'observation de la loi de Dieu procure la paix avec le prochain. Permettez-moi de terminer en vous rappelant la prière simple de saint François d'Assise. Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, ajoute saint François, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant que l'on trouve, c'est en pardonnant que l'on est pardonné, c'est en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie. Mes chers amis, il n'y a rien de plus pressant que de prier Marie, que l'Église proclame reine de la paix, car là où elle vient, elle apporte la paix de son Fils Jésus. Toute confiance, prions-la beaucoup le Saint Rosaire à la main, car bien des fois, dans ses apparitions, elle nous a demandé de prier le Saint-Rosaire pour obtenir la paix et éviter la guerre. Alors tous ensemble, mes chers amis, nous dirons plein de confiance, cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Amen.